le prince Harry s'est rendu à un match caritatif de polo, dans le Colorado. Il s'est installé à bord d'un jet privé et l'a laissé tourner pendant 30 minutes. Le mari de Meghan Markle s'est fait livrer dans un Range Rover son kit de polo qu'il avait oublié. Alors qu'il revient tout juste d'un voyage en Afrique dans le cadre d'une fonction officielle et écologique, le prince Harry vient de susciter une polémique. En effet, il a décidé de se rendre le jeudi 25 août 2022 à un match caritatif de polo, organisé dans le Colorado. Et si le mari de Meghan Markle alerte régulièrement sur le réchauffement climatique et l'importance de réduire son empreinte carbone, son voyage n'a pas été écologique du tout. En effet, selon les informations dévoilées par le Daily Mail, le prince Harry est arrivé à bord d'un SUV électrique sur le tarmac de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un jet privé. Il s'agissait d'un Bombardier Challenger 600 de 9 millions de dollars, appartenant à son ami multimillionnaire, Mark Ganzi. Le prince Harry fait un caprice après avoir oublié son matériel. Si l'histoire aurait pu en rester là, le prince Harry a finalement fait un caprice. En effet, le frère du prince William s'est aperçu, une fois à bord du jet privé, qu'il avait oublié son matériel de polo. Il a alors demandé à ce qu'on lui livre et le jet privé est ainsi resté en marche pendant 30 minutes. Finalement, s'est dans un énorme 4x4 Range Rover que le matériel lui a été livré. Un caprice qui a rapidement été très critiqué par les défenseurs de l'environnement. Au final, le voyage du prince Harry, d'une durée d'une heure et demie, aurait émis plus de 6 tonnes de CO2. En juin dernier, le petit-fils de la reine Elisabeth II et sa famille avaient déjà été critiqués pour avoir emprunté un jet privé pour rentrer en Californie après le jubilé de la reine. Face aux remarques, il s'était défendu en expliquant que 99% de ses voyages en avion se faisaient via des vols commerciaux. Un argument qui ne suffit pas à convaincre au vu de l'image d'écologiste que le prince Harry tente de véhiculer depuis plusieurs années.